Hey, salut tout le monde, c'est Xuki, on se retrouve pour un nouvel épisode, le dernier épisode sûrement de Tales of Zestiria, de notre let's play sur Tales of Zestiria. Aujourd'hui, dernier épisode, ah, moi je le sens, dernier épisode, ah il y avait un point de sauvegarde, c'est bien. Donc nous sommes au trône d'Artorius. Si ce nom ne vous dit rien, allez voir mon let's play sur Tales of Berseria. Je vous le dis. Alors... voilà, c'est magnifique. Hop, téléportation, je peux me téléporter. C'est bien pire que lors de notre dernier combat contre Aldalf. Voilà, ça a l'air d'être vraiment l'anarchie, hein. J'ai bien fait de me mettre un truc qui me protège un petit peu de tous les mobs, puisque je sens que ça va me tomber sur la gueule. Trône d'Artorius. Ok. Oh non, ça va être long, je le sens. Ouais. Non. Boum. Ok. Ça a l'air d'être un vrai labyrinthe. Hein. Ok. Heureusement que j'ai clean un petit peu tout... Ok. Il y a des coffres, hein. Il y a des coffres qui traînent. Bon, on va du coup aller par là-bas. Moi, je vais y aller au pif, hein. Attendez. Je veux juste faire ça. Voilà. Comme ça, j'ai le retour. Hop. Voilà. On va y aller au pif, hein. On a des coffres ici. Bon, bah, ouais. Interruptrice d'eau. Interruptrice d'eau. Hop. Edna. Interruptrice d'eau. Arche arc-en-ciel. Mince, j'ai pas fait gaffe. Attendez. Ouais, ça... Ça augmente beaucoup la défense, mais le reste, c'est pas ouf. Donc on va rester sur notre truc arc-en-ciel. Et un sablier. Sablier, je crois que ça permet de bloquer nos adversaires pendant 5 secondes. 5 secondes pendant le combat. C'est pas non plus énorme, mais bon. Hop, on entre ici. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas pensé, mais... Oui, le combat peut-être que s'il y a un combat, ça durera 10 minutes, 5-10 minutes. Mais... Entre l'exploration de cet endroit, entre les cinématiques... Non, là on va faire une demi-heure forcément. Ça me paraît... Ok. Je pense que j'ai bien fait de me mettre une fiole... une fiole bénie ou... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça m'évite d'avoir tout le people à mon cul, hein, puisque là, vu les salles, je pense que ça devrait être Bagdad initialement. Hop. Ok. Élixir. Heureusement qu'on a les clés d'or, hein, clairement. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a rien. Ah. Elle m'a fait peur. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu foutais là, Rose? On sort ici, pas de coffre. Voilà. Un quai. Ah, un coffre. On va récupérer le coffre. Trône d'Artorius. Tenue du survivant. Ouais, ouais. Hop, le feu. Et... Ça mène nulle part. Hein. Ah, si, là. Hop, vent. Enfin, vent. Téléportation. On peut rentrer ici du coup. Ah, on peut... Attendez. 3. 1. Voilà, 1. 2. 3. Non, non merde. Par contre, s'ils nous font des épreuves un petit peu comme dans... Puisque là, ça a l'air d'être... une représentation de l'épreuve du feu. S'ils nous font les mêmes épreuves, un petit condensé de toutes ces épreuves. Ah les gars,
bien se marrer, hein. Je pense qu'on va plutôt aller par là-bas, puisque, à mon avis, on peut récupérer des coffres par ici. Ou alors monter des étages. Ouais. Bon. Avant que je puisse finir de... Ah! Ouais. Monsieur, vous m'avez fait peur. Monsieur, vous êtes pas très sympa. Bon, je pense que ça devrait faire l'affaire. Bon, allez, toi t'es... Place. Bon, apparemment... Oh là. Apparemment, t'es... Monsieur, vous êtes vénère. Vous êtes vénère. Là, faiblesse haut. On va vous calmer. Il y a combien de PV? 36 000. Oh, ça va, ça va. On va... on se chauffe un petit peu pour le début. Tiens. Allez, on fait l'aromatisation. Ah oui, c'est vrai, attendez, il y a Mikio qui continue sa petite... Son petit arc. Bon, ouais, mais... Putain, il prend pas de dégâts. Attendez, aide. Alors, un élion perturbé qui abîme son propre corps pour déclencher des bonus de statistiques. Enfin, d'accord, on peut tout comprendre, mais je vais reculer très doucement. Blablabla. Hey, bouffe-toi tout ça. Je sais pas pourquoi je me suis engagé dans ce truc. Pourquoi j'ai fait ça. Bubble Do, oui, Bubble Do. Allez. Trinity Arrow. Ouh. Ça fait le taf. Ça j'aime bien quand ça fait le taf comme ça. Petite truc. Hein. Voilà, je lui balance une méga flèche. Ça fait pas l'animation de... La belle animation. C'est peut-être parce que j'ai pas assez de points. Mec, t'as perdu que 7000 depuis le début. Ah, il est niveau 80 en même temps, hein. Je veux dire, là, il a une bonne... à mon avis, il a une bonne résistance. Tiens, bouffe-toi ça. Tiens. Non, tu veux... Ah non, tu veux pas. Tu veux pas. Allez. Allez, Rose. Recte-le. On le recte. Oh là. Oh là. Non. On va mettre une gelée de pêche sur... Non, sur nous-mêmes. Ah, on est fatigué, donc on n'a pas le droit. Donc, bon, on va heal Rose. Bouffe-toi ça. Bon, on lui met quelques flèches. Hein, comme dans Minecraft. Comme ça, voilà. Je le spam B à une main et il prend des dégâts. Du coup. Oh, par contre là je vais éviter. Nya. Je suis là, j'ai vraiment plus. Je peux pas fuir. Non, je peux pas fuir. Bouffe-toi. J'ai mis autant de temps pour balancer Bubble Do. Ah. Ok. Bien. Allez, viens ici. Edna, viens ici. Edna, fusionne. Putain, j'arrêtais pas de spammer ma touche. On lui a enlevé 12 000. On lui a enlevé un tiers de sa vie. On est bien. à peu près. Et on va lancer notre attaque. Crystal Tower. Le temps que Mikio se heal. Hein, parce que... Bon, nous, on a besoin de lui pour faire un maximum de dégâts. Parce que l'adversaire n'a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts avec les autres. Rock Satellite. 21 000. Attendez, il se défend. Rock Satellite. Là, on va lancer notre tour. Ah, ça va pas marcher. Hop. On va se mettre un objet, encore une gelée de pêche sur nous-mêmes. Hop, il est sonné. On y va, les gars, on y va. Ah, mais il a une résistance à la terre. Bien sûr, j'ai pris le seul élément qui n'était pas sensible. Donc bon, hop, on va passer sur Zavid cette fois-ci. Tiens. Non. Ah oui, j'ai pas assez de JP pour lancer une attaque particulière. Allez, plus d'épée sur sa gueule.
On lui a enlevé la moitié de ses points de vie. On est pas mal. On est pas mal sur ça. Bon, je pense qu'on gagnera le niveau 80. Je pense qu'on va gagner pas mal d'XP à la fin de ce combat. Mais il... je vais pas... Si, je pense qu'on va rencontrer d'autres, des trucs comme ça. Oui. Par contre, fiole de résurrection. Sur moi. Hop. On reprend Mikleo. On refusionne avec Mikleo. Ah, j'ai pas assez de trucs. Ah si, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, il s'est pris les flèches. Ça l'a empêché d'envoyer un certain arc. Je ne sais pas ce que vous voulez balancer au début. Mais est-ce qu'il se heal pas depuis tout à l'heure, en fait? Je trouve qu'on envoie des dégâts pas trop dégueux, hein, finalement. Voilà, hein. 14 000, j'en sais rien. Attaque d'art diminuée. Bon, au moins, ça, il va comprendre qu'il ne faut pas nous faire chier. Tiens, je peux pas... Ouais, bon, j'ai consommé un JP pour lui faire masse dégâts, encore une fois. Allez, 11 000. Bon, donc, je disais, si je rencontre un deuxième, puisque je pense qu'on en rencontrera plusieurs, des trucs comme ça. Je pense que le but n'est pas de tous les battre. Je pense que c'est secondaire, je pense. Ça se trouve, il y a 2, 3, 4 gardiens de ce genre. Ça se trouve... Kato Plébas. Ça se trouve, le nom a une signification, mais... Je suis sonné. 9000. Oh. Non mais... Please. Non. Non, c'est bon, Rose peut se mettre en aromatisation. Bah le dos. Allez, online. Allez, on va lui balancer une petite pluie de flèches dans la gueule, histoire de le calmer. Il lui reste encore 7000 PV, hein. Wow, ok. Il a un chien. Ok, on va éviter de les attaquer. Bon, du coup, j'ai perdu toute la progression, tous les coffres qu'on a débloqués. Oh, chiant. Oh, il est chiant. Ensuite, ici, 3. Et ensuite, ici, 4 pour pouvoir ouvrir. Ok. On a une grande salle à côté, ici, pour récupérer peut-être un coffre. Un petit coffre qui va être sablé aux fraises. Un sablé aux fraises, ok. Là on n'y avait pas été, puisque je me suis dit non, ça a l'air un petit peu trop vénère par là-bas, mais on va quand même y aller. Hop, bon, c'est bon. Ça devrait faire l'affaire. Préparation dans le cas Madeleine. On récupère nos coffres. Élixir. Ok, on a un objet pour Mikleo. Hop, on repasse ici. Moyen, très moyen. Donc on va repartir. Allez. Ouh. On sort de là. On peut... Alors, là c'est bon. Là on a un peu plus accès à l'extérieur. On peut plus se diriger vers d'autres îlots, on va dire. Mais tout ça vole. Tout ça vole. Ok. Très bien. Esclave ombreuse. Je crois que l'esclave ombreuse était pas ouf. Hein. On en avait déjà une. C'est que la deuxième. On passe par là du coup. Ici il n'y a rien. Et là. Là c'est la partie un peu... Ah, j'en sais rien en fait. Si, c'est la partie centrale ça. Ah, j'en sais rien. On va passer par là. Si, ça c'est la partie centrale. On va faire ça. On va passer par là. On va aller sauvegarder. Ça va être assez terrible. Bon, il y a un coffre. Allez, on va aller chercher le coffre là-bas, au moins. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Ah non, c'est même pas un coffre doré. Ça se trouve, c'est de la merde. Ça va nous donner une gelée de pommes. Non, gelée au raisin.
Sablier. Ah, encore un sablier. Sablier, je sais pas si c'est vraiment worse, hein, puisque 5 secondes, bloquer l'adversaire pendant 5 secondes, le temps de faire quelque chose, ça peut être compliqué. Hop. On se TP ici. On peut se TP par ici. Et on entre du coup dans un nouveau bâtiment, je crois. Je crois qu'on entre dans un bon petit bâtiment. Ici, elle est des coffres. Un coffre. Ah ouais, en... piercing féerique. Piercing féerique. C'est pour lui, non? Je sais pas ce que c'était. Attendez. Ah non, c'est pour Srey. Piercing féerique. Ah bah, c'est tout bon, c'est tout mieux. Donc voilà, on peut mettre ça. On passe ici. Dégage. Ok, on peut remonter là. Ouais, j'ose même pas imaginer comment ça, ça devrait être avec les mobs. C'est... Ah, ok. Ouais. 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 Ça va, c'est pas trop compliqué comme épreuve, là, les gars. Hein. C'est pas trop compliqué. Du coup, ici... Ah oui, non, à mon avis, les tours comme ça, c'est pour aller voir les... Nos poteaux qui sont un petit peu trop cheatés au niveau 80 et tout. Bon. Moi, j'aimerais éviter. Feuille de la mort. Encore une fois, feuille de la mort. Pour aller fusionner. Mais, à mon avis, on n'aura pas l'occasion. Il tourne, là? Ah non, il ne tourne plus. Allez, on peut sortir ici. Ah, on a des petites fleurs. Camomille rouge. Ici, on n'a rien. Et on n'a rien ici. Ah non, 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 c'est là, c'est là, c'est là. Hop. Ouais, on est pas encore sorti l'auberge, hein, là. Mais là, bon, c'est bon, on est sur le bon chemin. Ouais, là, non, les... mon avis, c'est... Toutes les petites épreuves là, c'est pour ok. Par contre, ouais. Là, ça me rappelle les yeux du temple de l'eau. Donc, si à un moment on... ils veulent me faire faire ça, fuck you quoi. Fuck you. On récupère ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ça me sert à rien d'aller affronter les boss. À la limite, je gagne un niveau en les affrontant. Putain, ça m'a fait peur. Si je gagne un niveau en les affrontant, oui. Ok. Mais là... Enfin... Oui, il y a ça qui peut être bien, mais bon... J'en suis pas là. Calibernus. Caliburnus. Ça a l'air d'être une équipe bien. Un petit peu plus de dégâts. Oh, Caliburnus. Ok, on va prendre ça. Moi, j'aime bien. Il y a Caliburn dedans. Donc j'apprécie. Là-bas, il n'y a rien. Donc on peut passer de ce côté-là. Il va rien y avoir par ici. On peut passer par là, du coup. Non, attendez. On va ramasser un petit peu tous les objets. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Déçu. Je suis déçu. On va passer par là, on peut encore enflammer ça. Non, par contre, quand ils font des petits obstacles comme ça qui me font perdre quelques secondes. Les gars, vous êtes vraiment des gamins. Les gars. Hop. Helm. Oh, on a eu un objet pour Layla. Tiers de topaz. Alors, on va lui mettre ça. Hein. C'est nouveau, c'est beau. Hop, on passe ici. Et on peut ressortir... Dehors. Ah, d'abord on a un coffre ici qui peut nous rapporter un truc intéressant. Omnidiviseur. Ouais. Sortir. D'accord, 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 d'accord. On peut se TP là. On peut passer comme ça, comme ça. Est-ce que... On... Ouais, c'est encore un autre... C'est encore un autre endroit bizarre. Ouais. On n'est pas encore arrivé. Hein. Je sais pas combien de temps on en est.
Ouais. Bon, ça c'est une épreuve chiant là. Chiante. Une épreuve pour me dire tu peux affronter un mec. Non, pas ça. Ah, c'est pour les casser, d'accord. C'est vrai que c'est pas pour les pousser. On n'est pas dans Pokémon, on n'utilise pas. Chapeau de Viking. Chapeau de Viking pour Zavid. Chapeau de Topaz. On va partir sur ça. Hein. Chapeau de Viking. Hop. Ouvrir. Et du coup, on peut continuer notre. Bon, par contre, niveau game design, ils sont pas fait chier. Hein. C'est pareil partout. Bon, après, c'est un château. Souvent, on essaie de faire en sorte que. Voilà. Encore un coffre. 4 quarts. Ah. Ouais. Sortir. Alors, je pense que... Oh, un coffre. Bon, allez, le coffre, on va te chercher plus tard. Hein. Puisque là, c'est... Moi, je ne rigole pas avec ça. Hein. Moi, j'aimerais bien avancer. Surtout si c'est pour me donner un item que je n'utiliserai pas. Ça pourrait être chiant. Je vais cramer ça et je vais retourner de l'autre côté. Je vais pour aller sauvegarder. Hop, on va passer par là. Et ouais, je pense qu'on arrive vraiment sur les derniers. Puisqu'on retourne dans le bâtiment central. Ouais. Par contre, là, ça me paraît bizarre, la disposition. La disposition me paraît bizarre, mais toujours aucun signe de lui ou d'un de ses pièges. Ok, ici on est... yeah. Bon. Toujours pas de coffre. Oh non, mais on se balade encore, les gars. Bon, il reste encore une salle. Bon, il y a un coffre là-bas, m'en fous. Je veux ce fight. Parce que si c'est pour aller chercher des objets, je suis déjà plein. Bon, après, si c'est à côté, oui. Genre là, voilà, je passe à côté de la salle, je la prends, fiole de pillage. Et bandeau d'Athéna. Tiens, bandeau d'Athéna pour Edna. Bandeau de Datena. Je ne sais pas. On va passer comme ça. Allez. Donc là, c'est encore une de leurs épreuves bidon. Ok. D'accord, non, j'ai rien dit. Je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est... C'est comment ça se fait que c'est ouvert. Donc bon. Hop. Je ne sais pas où ça peut me renvoyer, ce truc. Ah, ça doit être... Non, ça doit être au truc en bas. Ça doit être la sorte de fontaine d'eau qu'on avait devant. Puisque j'aimerais pas être... J'aimerais pas retourner au début. Hein. Ça va ouvrir. Mais je vais pas m'attarder à ça. Moi, je pense qu'on revient ici. Sur ce petit plan d'eau. Donc on a vu les 4 épreuves. Hein. On a vu les 4 épreuves. Donc je pense que là, ouais. Là, c'est bon. Là, attendez. C'est ça. On y est. Point de sauvegarde, please. Mettez-moi un point de sauvegarde. S'il vous plaît. Mettez point de sauvegarde. Sinon, vous êtes les plus gros gamins de cette terre. Ah, c'est bon, il y a un point de sauvegarde. Ouh. Un téléporteur. Non. Ah, monte pas, hein. Tu ne montes pas. Zabida. Ketchaku tsukenakia ikenai aite da tte itteta yo. Ah, nanda kanda de yarazu ni shimisou da. スレイさんとの出会いで新たな可能性が生まれたのですわね。そうそう、まさに運命の出会いってね。野郎なのが唯一の問題だ。バカなの。
まったくだ。五大神の一人を殺す。いや、殺せるつもりだったなんて。やってみねえと結果はわからんだろうがよ。ザビーダ、答えを最初から持ってて全くブレなしなんだ。意外とすごいやつ。お、ロゼちゃん俺と契約して器になってみる。調子乗りすぎ。なっ、ザビーダ、ありがとう。ああ、俺たちの出会いが救う方法を生んだってのがすげえ嬉しくてさ。お前、たくこのアマちゃん同士め、甘ったるすぎだぜ。こっからが正念場だろ。だな。Très bien. Bon, laissez-moi. Tenue du berger, détermination. Alors, je vais changer la tenue du berger. Esthétique. Je pense que c'est juste pour la musique. Hein. Détermination. Le manteau du berger est tissé. Ouais, ça doit être... au niveau de la musique. Ça doit changer quelque chose. Je pense que ça ne m'apporte rien d'aller par là ou par là. On sauvegarde. Et le combat final est ici, au trône d'Artorius. Ok, c'est... Non, mais non. C'est encore Bagdad? Non, ça va. Je pense que c'est juste pour nous faire nous balader, pour dire... Regardez, c'est l'endroit où Mikio a failli die, hein, quand il était petit. Est-ce que s'il me montre ça? Non. Bon, bref. Il me montre que c'est Bagdad. Et il n'y a pas de coffre caché par ici. Slay-san, à nata no ushiro ni wa watashi tachi ga imasu wa. Sore o wasurenai de. Souyu koto rashii wa. Souyu koto rashii ne. Omoikkiri yatchatte. Arigato. Minna. 決着をつけよう。すべてに。行こう。二人ともカムラに入ってから一度もおじいちゃんの話しなかったわね。ええ。前代様に危害を加えるのは無意味だと、かの者へ示しているのでは。ビビってるように見えたぜ、俺はよ。あれじゃ自分らの弱点を認めてるようなもんだ。行こう。Ok. Bon bah, it's the end, my friend. Oh. Heldar, 決着の時だ。苦しみと共に生きねばならぬ世界。すべてのものはこれからの解放を望んでいるのは明白。何故それに抗う、どうしよう。確かにお前の目指す世界では苦しみから逃れられるかもしれないけど、やっぱ違うと思う。僕らは苦しみから目を背けたくない。辛いことがあるから楽しいことを実感できるのですわ。だね、私らは生きてるって感じたいんだ。苦しみに抗うことでのみ得られる安寧、そんなものを世界が享受するはずもあるまい。別に逃げるのが悪いってわけじゃないわ。俺らがそうしねえってだけさ。わしは自然の摂理を語っているのだ。摂理に従うのが生きることだっていうのか。無論のことよ。違う、それは死んでないだけだ。それがどれだけ苦しいことか、お前は知ってるはずだ。
最後にもう一度問う。同志スレイ、わしに下れ。断る。最下の剣士と同志、やはり世の国脈ということか。だがわしは白とは返事ぬ。俺も黒にはならない。 OK. Et il est niveau 80. 52 000 points de vie, résistance au coup physique. Allons-y. Wow, 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 wow. Tenez-vous prêts. Ouais. On doit lui retirer les pouvoirs de Maotelus. Donc c'est pour ça qu'il est aussi fort. Allez, boum. Les gars. Les gars. Wow, 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 wow. Oh, oh. Bouffe-toi ça, bouffe-toi ça, non mais oh. Le gars, il s'est senti pousser des ailes. Le gars s'est vraiment senti pousser des ailes. Le mec, il a quand même one shot. À peu près. Non, 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 non. Non, 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 on va t'empêcher de faire de la merde, toi. Ce type est une brute. Comment a-t-il pu devenir aussi fort? Je ne sais pas. Mais on lui a quand même déjà enlevé 7000. Ça, il n'a pas non plus une défense oufissime. Wow, wow, wow. Ah, Rose est en train de prendre cher. Reviens ici. Non. Non, par contre, tu ne me fais pas des coups comme ça. Allez, on charge pour nos triple flèches. Triple arrow. Ok. On lui a enlevé 10 000. Ça c'est un petit peu plus compliqué. Bouge-toi. Triple arrow. Bon là je remets une bubble d'eau. Flèche sainte. Touchez un coup. Ok. Deuxième phase. いかに成長しようと、それが貴様の限界よ。スレイ。ジジ。なんだって。黒にならぬと言ったな。今お前に湧き出ている感情はどうだ。取り込みやがったのか。スレイ、下がり。スレイ。ライラ、浄化すればジージは助かるんだろう。ライラ、ジージ。愛する子を傷つける苦悩、伝わるか。エルダルグ。さあ、救ってやるがよい。Ouais, ouais. Ça va être compliqué. Non, 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 non. Bon, on va prendre lui. Ouais, j'ai pas assez. On reprend Edna. Hop. Allez, armatus. Armatisation. Feu. Quoi ? Tu fais le mec. Tu fais le mec. Moi, je vais te corriger. Moi je m'en fous du vieux. C'est encore pire que ces servir les embousses comme otage. Ouais, il utilise ses pouvoirs. Pour sauver un tuteur, il faudrait que tu sacrifies tes compagnons. Wow. Les gars. Allez, soigne-moi. On va se soigner. C'est bon, on a soigné Rose. Elle a prise à vide, c'est bien. On en est à... On peut passer à la prochaine étape. Je pense que la prochaine étape, ça va être en dessous de 30 000. Non, pas du tout. Peut-être 25 000. Je pense qu'il y a plusieurs étapes hein, dans ce combat. Mais ça va, il est pas non plus trop compliqué. On arrive à faire descendre ses points de vie assez rapidement par rapport à d'autres... Par contre, toi, tu dégages. Niveau 62. Ok. Et ça a combien de points de vie, ça? Ouais, 9000. Oh, ça va. Je vais massacrer pendant que Rose s'occupe du gros moustachu, comme dirait Edna. Allez. C'est bon, ça se passe bien. On galère pas trop. Ah, non. Hop. Rock Satellite.
Les avis des KO. Par contre, va falloir faire gaffe à ça. Fais pop Mikleo. Allez, faut passer. Faut essayer au moins de passer en dessous des 20 000. Non, c'est toujours pas. Il faut le mettre. Il faut le terminer. Ou alors il est au 10 000. Je sais pas. Bon, je pense qu'il va falloir le terminer. Hein. Moi, je me care. Hop, hop, hop. On va reprendre Layla. Allez, bouge-toi ça, comme ça je récupère un petit peu de vie avec tout ça. Et... Oh, oh. Non, grand-père, quand... Allez, non, 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 non. Lenteur. Je pense qu'en lenteur... Est-ce qu'en lenteur, je peux utiliser les objets? Oh putain, je peux pas. Si elle, elle utilise gelée de raisin. Je peux... Ouais, je peux pas. Je peux pas, donc je suis obligé d'attendre que je n'ai plus tous mes changements. Attendez. Mikleo, utilise-moi... C'est quoi pour nous soigner? Je l'ai de melon. Bon, je peux mettre ça. Ça augmente mes PV de 30%. Et inutilisable. C'est bon, je peux réutiliser les objets. Je l'ai de raisin, je peux les réutiliser sur moi. Voilà, comme ça je suis à cette piste. Oh oui. Ah oui. Allez, on est sur les 10 000 derniers... 10 000 derniers dégâts. C'est bon, on va faire le taf. On va faire le taf. Ouais, bon, je pense qu'il faut le mettre KO pour pouvoir continuer. Mais ça paraît trop facile, en fait. Ça me paraît trop facile. Je suis pas sûr que quand on l'aura mis KO sur ce coup-là, ce sera les derniers. Je sais pas. Ça paraît pas non plus... Je sais pas. Ouais. 5300. Oh, oh, oh. Dégage de là. Allez. 3900. 3900. Ouais. Flamme de l'enfer. Oh, c'est un véritable rugissement du lion. Ok. Heal-moi. Fiole de résurrection sur moi. Hop. Oh, oh. Non mais please. Ah please. Please. Non mais oh. J'ai évité le pire. J'ai vraiment évité le pire. Par contre, on prend un petit peu trop cher. Objet, fiole de résurrection sur Rose. Non, non, il te reste 1800. Je vais pas perdre à la fin. Tout le monde dessus. Rose. そう。自ら愚かな選択をして落ちたわけじゃないのに。それでどうするというのだ。私が何とかする。 そう決めたんだから。重視の出る幕ではない。スレイ。これだけは俺がやらなきゃいけない。 ありがとう、ラゼ。本当に。スレイさん。スレイ。下がってて。みんな。君一人に背負わせない。貴様らは誰も救えん。ルズドンシブレレイ。 スレイヤー、あの子の気持ちは分かっておるよ。
お前の人生を精一杯。じじ、この痛み忘れない。までも抗うのか。よかろう、真の孤独をくれてやる。魔を照らす。Ok, Eldalf avec Armatus. Ah, 200 000 points de vie. C'est un dragon. Ok, bon. Je pense qu'il y aura un moyen de faire quelque chose, puisque là, 200 000, les gars. Je veux dire, moi, j'ai... Oh. Non, mais je ne touche même pas. Ah, si, c'est bon. Tiens, dégage. Bon. On se coupe. On 39. Vas-y. Ça se trouve, il est pas si compliqué que ça à battre. Tiens, bon. Ok, je me heal. Enfin, on me heal. Il a quoi comme faiblesse? Il a aucune faiblesse, il a aucune résistance. C'est l'attaque suprême. Pense à appuyer sur la gâchette quand tu trébuches. Ok, donc apparemment... Ouais. Tiens, ouvre-toi ça. Torrent nu. Je suis pas sûr que ce soit ça. Je suis pas sûr que ce soit ça. Et ils m'ont dit de lancer les trucs chacun leur tour. Bon, on lui a enlevé combien? On lui a enlevé pas mal. Non, je ne sacrifierai personne. Tiens, bulle d'eau. Je te balance bulle d'eau. Dans le dos. Non mais, hé. Non mais, hé. Non mais c'est pas ça que je veux faire, bordel. C'est toujours pas ça, hein. Bon bah, bulle d'eau, au moins, j'ai fait quelques dégâts. Et c'est pas ça que je voulais faire. Tiens. On va... Je pense que je vais changer d'aromatisation. Hop. Edna, tiens. Boum. Allez, on lui met des patates. Je sais pas s'il y a une technique particulière pour l'affronter, hein, parce que là, bon, je frappe un petit peu au pif. Il n'a pas trop de défense. Et lâche-moi, les gars. Et ils m'ont dit de les lancer chacun leur tour sur dessus. En aromatisation. Oh, oh, oh. On va fuir. Wow. Objet, lui, gelé de raisin sur lui-même. Ouais, Zetsubo. Hein. Vas-y, sors-moi des trucs comme ça, bien sûr. Tiens, bouffe-toi ça. Prends-toi ce truc. Bon, on lui a enlevé un quart. On lui a déjà enlevé un quart de sa vie. Maintenant, Srei. Appuyez sur LB. Activez l'arme à tous. Oui, mais oui. LB. LB, c'est quoi? C'est bien ça? Ouais. Et...
Du coup, ah, du coup, il est remonté. Ouais, comme c'est cruel et insensible de ta part. Tu as abandonné quelqu'un que tu as appelé ton ami. Je vois ce qu'il faut faire. Ok. Chaque fois qu'on termine un quart de sa vie, on a... Ok. D'accord. Par contre, les gars... attaque concentrée sur sa patte. Non, c'est pas ça. Oh. Okay. Pourquoi il regarde là? Qu'est-ce qu'il regarde de ce côté-là? Ok. Non, c'est la main là. Bon. Allez, on va faire tout cette main. Allez. Hop. Oh. Coup fatal. Bon, du coup, ça va être long. Ça va être long sur ce... sur ça. Ça va, on lui a déjà enlevé 15 000. En vrai, c'est pas trop compliqué pour l'instant, même si là, on commence à avoir pas mal de difficultés au niveau des points de vie. Toi, mets-toi une gelée de raisin sur toi-même. Voilà. Ça leur gagne 70% de sa vie. J'ai encore subi... Mais sauf que j'ai lenteur, donc je vais pas pouvoir me heal. Voilà, c'est bon. Là, je peux me mettre une gelée de raisin à moi-même. Par contre, elle est sonnée, Rose. Donc, c'est pas ça. Allez, on va... Je pense qu'on peut pas changer de position avec cet effet d'hermatisation. Allez, on y est presque. On y est presque. Tiens, tiens. On y est presque. Encore 17 000. 17 000, ça va vite. Ça va vite. Non, non, je suis sonné. Oula, oula. Non, mais... Le mec, il lance une aromatisation comme ça. À quel moment? Maotelus. Maotelus, je sais plus trop ce qu'il a pu faire pour devenir comme ça. Est-ce que c'était dit? Je sais plus. Non. Rose, tu survis. Rose, tu survis. Rising. 3800. Allez, encore 3800. Hop. Allez. Ça, on... Allez, encore un petit peu. On y est presque, 1300. Pour balancer la deuxième salve. C'est bon, normalement c'est bon. Normalement ça devrait être bon. Hein. Sauf s'il faut le baisser encore un petit peu. Oh, oh. Là il fait, par contre il fait un petit peu trop le mec là. Je sais pas ce qu'il fait. Justicia. Enfin, je crois que ça devait être ça. Et il repart à 10 000. Nous battons encore tous, c'est vrai, tu ne comprends pas. Du coup, on est avec Mikleo. J'aimerais bien changer de... J'aimerais balancer Mikleo en tout dernier. Mais bon. Non, je vais garder Layla pour la fin. Je vais garder Layla pour la fin. Par contre, ils sont tous les deux à zéro. Objet. Fiole de résurrection, ici. Maintenant qu'on ne peut plus switcher entre les personnages. Enfin, oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant qu'on ne peut plus... Ouais. On va remettre une fiole de résurrection, hein, puisque là, ils ont l'air d'avoir un petit peu de mal. C'est fiole de panacée pour enlever la lenteur. Ouvre-toi, ça, non, ça va, j'ai pas pris de dégâts. 2700, 3200. Par contre, oui, ils auraient pu faire moins de PV, puisque là, c'est juste chiant. C'est pas trop difficile, le spam. Et elle est encore KO. Non mais, oh... Fiole de résurrection. Toi là. Avec... c'est inutilisable. Mais elle die encore. Hop, je vais remettre une fiole de résurrection sur Layla. Je devrais mettre plutôt sur Layla, parce que comme ça, elle pourrait se heal. Elle pourrait renaître avec l'aromatisation. 75 000, allez. On est à la moitié de balancer la fin. Bon, le dernier quart, je ne sais pas comment ça va se passer. Je me demande comment ça va se passer. Est-ce que ça va être...
Parce que là, Rose, elle va plus avoir de... de Séraphin pour l'aider. Par contre, nous, on va s'éloigner. Hop, objet, gelée de raisin. Soleil. Soleil. Tiens, bouge-toi ça. Tac, tac, tac. 6400. On y est presque. Sur ce troisième quart. Ouais, je sais pas comment le quatrième quart va se dérouler. Allez. On y est presque. De toute façon, ça va être le plus long, puisqu'on va peut-être être tout seul, puisque Rose, si elle a plus Séraphin, je pense qu'elle n'est plus avec nous. Hein. Allez, bouge-toi ça. Il va falloir encore avancer un petit peu. Là, il est un petit peu énervé. Il a l'air un petit peu énervé, en effet. Tiens, bouge-toi ça. C'est bon, je peux le balancer, là? Non, je peux pas le balancer. Dans le dos. Bon, vous me direz, hein, quand je pourrai lancer mon petit Mikleo. Par contre, Laila qui a plus de vie. Ah. Mais what the fuck? Je pense que je pouvais pas utiliser... Mikleo, ça doit être le dernier que je balance, puisque c'est... What the fuck, Les gars, j'ai réellement passé une heure dessus. C'était insane. Bon, expérience en 37, je pense que ça valait le coup, hein, une heure pour ça, mais bon. Mais bon, j'ai dû aller sur des sites de solutions et... Oh. Bon, là c'est le vrai combat final. On est à 3500. On a plus de points, on a rien. Vulnérable aux attaques physiques. 21 000. Allez. Hop. Oui, il va falloir qu'on gère bien tout ça. Hop. En faisant des petites esquives. Hop. Ça va être peut-être le plus compliqué, je sais pas. Bon, en tout cas, si je le rate, de toute façon, je pourrais me rattraper sur... comment? Non. C'est vulnérable aux attaques physiques. Ça va le faire. Tiens. Ouais, vas-y, fais-moi encore des dégâts. C'est bien. Allez. Il lui reste... Oh, il est cœur. On lui a enlevé 2000. Hein. On lui a enlevé un dixième de sa vie. Oh.
Non mais clairement le... Le combat de précédent était insanement, ça se dit pas, mais était très compliqué. J'aurais dû mettre une gelée de raisin, c'était peut-être un petit peu trop, mais bon. Tiens, dégage, gros du dragon de la terre. Esquive. Il faut faire pas mal d'esquives, de ce que j'ai vu sur le site de solution pour ce combat-là. Oui, donc j'ai été spoil sur ce côté-là, et après, autre spoil pour vous, c'est la vraie fin, hein. Mais c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué, tout ce qu'on fait. Hop, on va se remettre une gelée de pêche pour ce heal. Tac. Allez, on lui a enlevé 5000. 5000, on lui a enlevé un quart à peu près de sa vie. Hop. Boum. Allez, je suis concentré, je veux le first try sur celui-là. Attaque contenue. Ouais, il a des attaques contenues, c'est bien. On t'a sonné. Je lui ai enlevé 1500 d'un coup, là. Hop. Laisse-moi récupérer un petit peu. Hop. Allez. Là, je le sonne. Allez. Meurs, please, Eldalf. Je sais que t'es un gars bien. Meurs. Laisse-moi tranquille. Meurs. Une bonne fois. Non, mais quand même, le gars, c'est... Quel ennemi on a... Ah, c'était dans Resident Evil. Où vraiment, les ennemis, c'était en 1 million phases. C'était terrible. Et ben voilà. C'est comme dans Resident Evil. Bon, gelée de pêche. On va récupérer encore. Allez, 269 en moins. Bon, c'est pas grave. Attaque contenue. Allez, il lui reste 11 000. Dès qu'on sera à 3 de... On pourra lui faire une attaque balèze. Tiens. Reviens ici, oui. Oh. Ouais. Balance tes attaques. Tiens. Allez. On s'éloigne. Objet. On se met une gelée de pêche. J'aurais dû... Ah non, j'ai lenteur, donc je peux pas me l'appliquer. Aïe. On s'éloigne. Ouais. Faut s'éloigner tant qu'on a de la lenteur. Puisque là, il faut se heal. Puisque 1200, je vais pas tenir. Hop, mais non, en fait, j'ai... Voilà. Voilà. Comme ça, je suis bien. Je vais me heal. Voilà, me heal. Raisin. Voilà. Allez, oh. Il est un petit peu trop vénère sur la fin, il est un petit peu trop vénère. Tiens. Oh, ça me montre pas mes combos. Hop, immunisé aux effets. Gelée de raisin. Ça me montre pas mes combos. C'est chiant. Ok. Et 9400, les gars. Allez, faut esquiver un petit peu plus. Non. Ouais, c'est ça, fait le mec. Tiens. L'esquiver. Non, je suis pas sûr, je crois que j'ai pris le coup. Tiens. Ah, mais ça montre plus mes combos. Je peux pas faire mon attaque forte. Ok. Ah, j'ai encore lenteur. Fiole de Pénacé. Allez, on fuit. Voilà, on va se mettre une gelée de raisin encore une fois. Hop, non. Tu ne mourras pas comme ça. Ah. Tiens, avec ça tu ne fais pas de dégâts. Tiens. Masse dégâts. Ah, 7000 encore, putain, il y a trop de vie. Sur la fin, il est un petit peu trop balèze, je trouve, à mon goût. Tiens.
Oh oh, faut que je me mette un objet. Gelée de raisin. Gelée de raisin, gelée de raisin. Non ! Bordel. Ellipse, le temps que je le batte. タワキの我らの幕はその技かよかろう獅子獅子千千こうこれがまさか俺の全てだ。Et du coup, bah, ok, j'ai pas trop le choix, j'ai juste le choix d'aller devant. この剣をわしに突き立てた時、新たな最下の剣種が生まれるのだ。やれ、その時貴様は理解するだろう。J'ai le choix là ou c'est... Attendez, je vérifie bien juste un truc. Arigato. Go there.
ça me donne des frissons quand même. Et ce let's play sur Tales of Zestiria est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Moi, j'ai pas mal apprécié. Même si, bon, du coup, premier let's play sur la série des Tales of. Et d'après beaucoup, eh bien, ce jeu serait l'un des plus mauvais en termes de Tales of. Donc pour les fans de Tales of qui ont l'habitude d'y jouer. Moi, j'ai trouvé le jeu bon. En tout cas, en ce qui concerne l'histoire, en ce qui concerne les personnages, l'ambiance, puisque donc l'animation, les musiques, j'ai trouvé ça juste génial. Le reste, un petit peu moins, puisque le système de combat est pour moi beaucoup trop compliqué. Le système de combat, dès le début, il vous balance plein de choses, blablabla. Franchement, je trouve ça compliqué. Encore, Godita, au début, je trouvais ça compliqué, mais au fur et à mesure, on commence à bien apprendre tout. On voit qu'on arrive à faire marcher tout ça. Mais sur ce let's play-là, on n'a pas besoin de tout apprendre, mais genre, on nous apprend qu'il faut faire gaffe les arts de machin qui sont meilleurs contre les arts machin, les arts machin. Ça clairement, j'ai pas compris. Hein. Donc, je sais plus, les arts martiaux avec les arts mystiques et tous les trucs. Ça c'était vraiment compliqué. Il y a trop de... Je pense que le problème de Tales of Zestiria, déjà, bon, graphiquement, l'univers est beau, mais en fait, les finitions sont pas ouf, ça c'est un point, mais vraiment, les combats, trop compliqués, c'est... Et après, à un moment, on baisse les bras, on fait juste que cliquer sur A et B pour moi, pour défoncer le gars. Bon. Mais en tout cas, moi, j'aurais beaucoup apprécié l'animé, à l'heure où je parle, où je vous parle, comme j'ai record pas mal en avance, histoire d'avoir... voilà, pour les mois vraiment février, mars, avril, mai, vraiment jusqu'au mois de mai, je suis un petit peu... début mai, c'est un petit peu compliqué pour moi de record, c'est pour ça que je prends énormément d'avance, que mes vidéos... que je fais un petit peu moins de vidéos. Enfin, j'essaye de faire moins de vidéos, mais je suis tellement motivé des fois que, bon, mais sauf que... Voilà, des fois, c'est pas toujours facile pour moi. Mais... Non, franchement... franchement, l'univers était super. Super. Les personnages comme Enna... Enna, Zavid sont géniaux avec les chats qui est génial. Ce que je peux regretter, c'est quand même que certains n'aiment pas trop cet aspect-là, que notre personnage principal est un énième personnage totalement bête. Et ça se voit à l'image là. Où c'est le premier débile qui passe. Bon, pas forcément le premier débile, mais c'est un personnage pas très... Pas très sérieux. Moi, bon, ça me va, mais c'est vrai que personnellement, je préfère nettement Velvet Crow par rapport à Srei. Mais voilà. Est-ce que on a moyen de passer les cinématiques pour voir s'il va se passer? Êtes-vous sûr de vouloir passer? Bah ouais. Pour voir. Voilà. Fini. Allez, on nous remet encore des... Allez, on va passer, là aussi. Mais du coup, j'aime bien ça.
Mais j'ai pas trop fait gaffe au nom qu'il y avait sur la pierre tombale en fait. Puisque du berger fin, c'était non, franchement, ces cinématiques elles sont géniales. Franchement, ça donne bien l'ambiance. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, clé des arts séraphiques légendaires, une clé permettant de réveiller des arts séraphiques anciens. Quant à savoir pourquoi Eldaf la détenait, c'est un mystère. Félicitations, vous avez terminé le jeu, vous pouvez désormais créer une sauvegarde finale. En chargeant ces données, vous pouvez reprendre la partie juste avant le combat final. L'option nouvelle partie plus sera également ajoutée au grand titre. Nouvelle partie plus vous permettra de commencer une nouvelle partie en apportant les données de votre personnage, de votre sauvegarde finale. Très bien. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce let's play en ma compagnie. On va passer ça puisque là il va y avoir des copyrights. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette let's play en ma compagnie. Le son est un peu trop fort. Là il est mieux. Et du coup voilà. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain let's play. Je ne sais pas ce qui va suivre ce let's play. On verra bien. Et je vous annoncerai sur Twitter. Et du coup on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, désolé si c'est pas fait.